Hello à toutes et à tous, donc c'est Amphimaniacs pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pas une vidéo suivie d'élevage, c'est une vidéo tuto. Donc on se retrouve. On est mercredi. Je vous fais cette vidéo, mais je vous la posterai dimanche en fait. C'est parce que ce week-end j'aimerais me reposer parce que demain j'ai le brevet blanc et après-demain matin aussi j'ai le brevet blanc. Donc j'aimerais me reposer un peu, du coup je vous fais une vidéo maintenant. Donc ce sera une vidéo explicative pour comment faire un élevage de... comment ça s'appelle? Ça commence bien, je sais même plus comment que ça s'appelle. Merde. Cloporte, voilà, pour faire un élevage de cloporte. Donc c'est pratique pour nourrir tout ce qui est bébé menthe religieuse, petite grenouille. C'est vraiment pratique. Donc alors on va tout de suite commencer. Alors il vous faut un récipient déjà. Donc ce sera le terrarium pour votre cloporte, pour vos cloportes, pardon. Et un couvercle. Donc je vais le modifier, je vais vous montrer tout comment. Alors tout d'abord, il faut savoir que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le terrarium. Comment l'aménager, comment séparer les... Enfin, comment savoir quel est le mâle, quelle est la femelle des... Mince, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, ça m'énerve. Bon, de ces bêtes-là. Et leur nourriture. Donc, on commence tout de suite. Alors, il va falloir qu'on fasse le couvercle. Alors, faut déjà faire un trou dessus, comme ça. Pour la respiration. Donc alors moi j'ai cette boîte là, donc avec plein d'outils pour travailler et tout, ça m'aide à faire mes terrariums avec la petite chignole. Donc je vais mettre donc des mèches tournantes qui sont là. Donc ça tourne et ça découpe. Donc je vais découper un carré comme ça dessus. Et sur tous les tours, je vais faire des mini trous avec ce genre de fine mèche, vous voyez? Pour pouvoir y passer de la ficelle pour coudre un peu le tissu sur le couvercle. Attendez, j'essaye de remettre comme il faut. Voilà. Donc, on commence tout de suite. Donc, je vous pose et je vous reprends tout de suite. Enfin, je vous reprends quand j'ai fini de faire les trous. Donc, ça risque de faire un petit peu de bruit. Alors, attendez. Je vais m'asseoir quand même. Je vais essayer de prendre mes mèches. Puis dans cette vidéo aussi, je vous montrerai comment trouver les cloportes. Donc voilà, vous voyez, attendez, je vais vous les montrer. Ce sont des petits disques comme ça, très fins et ça tourne tellement rapidement que ça coupe en fait. Donc je mets en pause, je découpe, je fais les trous et on se retrouve juste après. Ah, tout de suite. Donc voilà, j'ai mis la roulette sur la chignole. Donc alors je vais découper en vidéo, ça risque de faire du bruit. Donc voilà. Je vais peut-être pas, en fait, non, non, non. Je ne vais pas découper en vidéo, je mets en pause pendant que je découpe et je vous reprends après. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, j'ai découpé. Alors voilà, ça donne ça. Mais faut retirer tous les petits bouts de plastique qui dépassent un peu. Alors faites attention, mais mettez des lunettes de protection. Faites pas la même bêtise que moi. Parce que, en fait, ça découpe le plastique, mais pour le découper, ça le fait chauffer. Et je me suis pris un truc sur la paupière. Et je peux vous dire que ça fait extrêmement mal. Donc voilà. Alors prenez vraiment des mesures de sécurité. Mettez des gants pour pas que ça vous tombe sur les doigts ou quoi. Moi, j'ai pas pris ça, mais j'aurais dû. Je suis en train de penser que j'aurais dû en fait. Donc voilà, on retire tous les bords. On essaye de les lisser après avoir découpé pour que ce soit bien bien propre. Comme j'ai fait. Hop. Alors là, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est pas de la moustiquaire qu'on va mettre, c'est du tissu. Parce que l'élevage de cloportes, en fait, faut savoir que les cloportes vont très rapidement faire des bébés. Au bout d'un an, ils sont adultes et au bout d'un an, ils peuvent se reproduire et donc faire des gosses. Et au bout d'un an, les gosses deviendront adultes. Enfin voilà. Et ils sont vraiment minuscules, les petits. Et ce serait bête qu'ils s'échappent en fait.
Ça risquerait de faire une invasion de clopes. Donc voilà, je vais retirer cette mèche, prendre une mèche toute petite avec un embout tout petit pour que la mèche rentre dedans. Et je vous reprends une fois que j'ai terminé pour l'aménagement, enfin la fixation du tissu dessus et l'aménagement du terrarium après. Donc à tout de suite. Donc re tout le monde, voilà. Alors les trous sont tous faits, donc je vous conseille de les faire comme moi à 1,5 cm d'intervalle pour être sûr que ce soit bien serré. Donc je vais aller fixer ça. Attendez, je vais quand même ranger un peu, pas que ça prenne la poussière, tout ça. La chignole, je vais la raccrocher. Je vais ranger ce petit outil qui m'a permis de fixer et de dévisser, voilà. Donc on peut trouver ça dans quasiment tous les magasins de bricolage. Hein. Et c'est vraiment très pratique pour le travail sur les terrariums ou les boîtes en plastique pour les aménager justement en terrarium. Voilà. Donc on a la boîte. Donc voilà, qui se ferme avec des protèges sur les côtés. Comme ça, on peut la porter comme ça sans que ça bouge. Et du coup, on va coudre la moustiquaire tout autour. Enfin, la moustiquaire. Le tissu. Donc, ce sera un tissu peut-être comme ça, comme ce tissu-là, vous voyez. Mais surtout pas un tissu comme ça, parce que ça peut... les clopins peuvent s'échapper. Donc, je vous reprends dès que le tissu est cousu pour aller dehors aménager le terrarium. A tout de suite. Donc re tout le monde, alors je vous conseille plutôt en fait au lieu de le coudre de le coller à la colle forte parce que en fait le coudre c'est vraiment trop compliqué pour bien le coudre bien tendu. Donc c'est ce que je vais faire, je vous reprends dès que j'ai fini de coller, à tout de suite. Donc voilà, alors le temps que la colle sèche bien, parce que je viens de la mettre, je vais aller décorer le terrarium dehors, donc avec vous hein, évidemment, en vidéo. Donc je prends le terrarium, la colle que j'ai utilisée en fait c'est de la Patex, 100%, elle est résistable à l'eau, flexible, transparente, elle est forte, c'est tout matériau, voilà. Alors on va aller dehors pour aménager notre terrarium. Calypso et Perla qui ont très peur. Voilà. Perla commence à aménager son nid. Donc je pense que ça devrait être pour bientôt. Donc voilà. Nous voilà donc dehors dans mon jardin. Hop. Donc alors on va mettre de la terre dans le terrarium. On va aller chercher des plantes dans le petit endroit là-bas. Il y a plein de petites plantes qu'on peut déterrer et replanter dans le terrarium. Donc je vais aller chercher de la terre avec vous et puis voilà. Donc hop, on prend une petite pelle. Voilà, une petite pelle. Hein. On va au jardin. Et du coup, je vais prendre de la terre. Donc, de préférence sans petites plantes, mais avec de la mousse. Car il faut savoir que les je sais plus comment ça s'appelle, ça y est, Alzheimer, ça revient. Mince. Bon, faut savoir que ces bêtes-là, en fait... sont détrivores, déchets trivores, un truc comme ça. Ils mangent les déchets, les moisissures et tout. Donc on peut prendre de la terre avec un peu de mousse, ça leur ira parfaitement. Donc on tasse bien la terre, bien comme il faut. Alors il faut aussi leur mettre des petites cachettes. Donc alors moi je mets des petits cailloux comme ça un peu. Des feuilles mortes, il y en a une ici. Voilà. Il y en a aussi une là. Donc on les dispose un peu dans le terrarium, c'est vraiment pour qu'ils puissent se cacher. Là-bas il y a un petit bout de bois, ici je vais le prendre pour le mettre dedans. Vous voyez, c'est très...
C'est vraiment très primitif comme type de d'abri, mais c'est vraiment bien pour eux. Donc alors le petit bout de bois, je vais le surélever avec un petit caillou pour qu'il puisse aller en dessous et que ça fasse une petite cachette. Je vais faire une petite pile de cailloux à un endroit pour qu'il puisse aller s'y réfugier. C'est vraiment un terrarium qui fait penser 100% à la nature et c'est le but, hein, reproduire le biotope naturel de l'insecte en question. Là, c'est l'humidité, les bouts de bois, les écorces et tout, les cailloux, les plein de trucs. Donc le seul problème en fait de cet insecte, c'est que c'est le type d'insecte qui finit souvent écrasé sous nos chaussures. Heureusement, il se reproduit assez bien, hein. Donc c'est pas vraiment un gros problème pour lui. Mais c'est dommage de voir qu'en fait un animal si évolué, parce qu'il a des branchies et il peut respirer sur terre carrément. Donc c'est fou. Et c'est dommage de voir qu'un animal si évolué est tué si rapidement en fait. Et n'est même pas observé vraiment bien par tout le monde. Et je trouve ça vraiment très dommage. Donc voilà, j'ai fait deux petits tas de cailloux, une petite feuille morte, des machins. On va aller chercher une petite plante dans l'enclos de ma tortue Caroline. Donc voilà, c'est vraiment un terrarium très primitif, comme je l'ai déjà dit. Alors il faut savoir qu'ils peuvent se nourrir des plantes aussi. Donc ils se nourrissent de un peu de tout. Ce sont des animaux vraiment très très faciles à élever. Donc alors par exemple cette plante-là, hop, ça en petite décoration déjà de fond, ça peut le faire. Donc je vais essayer de placer la caméra de façon à ce que vous voyez ce que je fais. Je vais éviter d'abîmer l'écran. Ce serait une bonne idée. Est-ce que vous voyez ce que je fais là? Désolée, j'ai mis la caméra en pause. Il y a le chien du voisin qui nous regarde. Donc là, je vais planter la fleur en plein milieu. Enfin, la fleur, la plante. La plante verte. Oui, Théo. Pardon. Donc oui, on met la plante. Donc voilà, c'est vraiment très rapide, hein, on prend les racines et... Oups, oui. On prend les racines et on les met dans le sol, voilà, dans la terre, et puis c'est vraiment très rapide à planter. Donc on prend d'autres petites plantes, des petites très touffues. Celle-ci par exemple, oups. Donc celle-ci est excellente. Petite plante bien touffue, c'est vraiment un bon endroit pour déjà se cacher et puis pour s'alimenter en plus. Voilà, il y a deux plantes pour le prix d'une, donc c'est impeccable. Faut pas hésiter à bien tasser pour bien redresser les plantes après les avoir plantées, hein. Parce que sinon, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Voilà. On va essayer de leur faire vraiment un terrarium vraiment beau. Car ces plantes-là, ces herbes touffues ici, sont bien aussi, mais il faut réussir à les retirer avec la racine, ce qui n'est pas toujours très marrant en fait. Alors avec ce genre de terre, on peut s'amuser aussi à leur faire des petites cachettes. C'est une terre qui se malaxe très bien, c'est comme de l'argile en fait. Elle est vraiment très malaxable. Donc je la mets de côté, hop, avec les autres morceaux. Donc ça salit un peu, hein, de faire ça. Donc on va la mettre ici, celle-là. Il faut surtout penser aux cachettes en fait. Parce que c'est un animal très craintif. Donc faut penser énormément aux cachettes. Donc voilà. Là, il y a bien des cachettes. On peut rajouter des petits morceaux de feuilles mortes pour l'alimentation.
pour les cachettes aussi, évidemment, parce qu'il leur faut vraiment, comme je le dis tout le temps, beaucoup, beaucoup de cachettes. Ce sont vraiment des animaux qui vivent dans l'obscurité. Voilà, on met des morceaux de feuilles, c'est la nourriture aussi. Hop, on prend la petite terre qu'on avait trouvée tout à l'heure. Voilà. Donc je vous mets en pause et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, et du coup maintenant, c'est le moment d'aller chercher les cloportes. Donc on va poser la petite boîte sur la table. On prend un récipient et on va aller chercher les cloportes. Donc alors comme je vous l'ai dit, il y en a souvent sous les pots de fleurs. Donc là il y a plein de feuilles mortes et tout, mais c'est pas la peine de chercher là-dedans. C'est vraiment là-dessous qu'on va chercher. Voilà. J'ai des colonies de cloportes en fait là-dessous. Vraiment des colonies énormes. Alors faut pas hésiter à en prendre, hein. Limite, ce que vous pouvez faire, c'est faire ça. Pour vraiment en faire tomber pas mal. Faut éviter de les écraser aussi. Donc voilà, là on voit qu'il y en a quand même pas mal, mais il n'y en a pas assez, je trouve. Donc n'hésitez pas vraiment à en mettre plein, c'est des animaux qui vivent en colonie. C'est un truc à pas oublier, ça. Voilà. Là, ils sont un peu endormis, c'est l'hiver, c'est normal. Ils ont du mal à se bouger. Mais il faut vraiment faire très attention, ce sont des bêtes très fragiles. On pourrait croire que leur cuirasse les protège, mais non. Alors, on peut aussi trouver des cloportes qui se roulent comme ça. Donc, c'est très intéressant de les garder eux aussi. Voilà. Donc faut chercher, hein. Il y a des vers luisants, il y a plein d'autres bêtes. Mais moi, ce ne sont que les cloportes qui m'intéressent. Donc voilà, je repose et je soulève l'autre bout de bois. Et on voit très clairement ici qu'il y a une mue. Voilà, donc on prend le maximum de cloportes que l'on peut voir si on veut vraiment réussir un bon élevage. Donc voilà, on a récupéré nos cloportes. On replace leur habitat. Et on va les trier. Les trier, pourquoi? Parce qu'il y en a des morts, évidemment. Donc, pour les trier, vous les déposez sur une table. Voilà. Et vous cherchez ceux que vous voulez garder et ceux que vous ne voulez pas garder et vous les mettez dans votre petite boîte. Voilà. Si vous en mettez des morts, c'est pas grave, vu que les cloportes morts peuvent les cloportes vivants, pardon, peuvent manger des cloportes morts. Donc si vous en mettez des morts, ne vous inquiétez pas, ça ira quand même. Voilà, j'ai tout fait tomber à peu près. Donc n'hésitez pas vraiment à en mettre. S'il y en a qui bougent pas, ce n'est pas grave, ils bougeront quand ils verront qu'il fera chaud. En bref, quand vous les mettrez dans votre maison. Alors les cloportes femelles,
ont une poche, pardon, sur le ventre. Donc c'est un des meilleurs moyens de les reconnaître. C'est vraiment la poche sur leur ventre. Mais j'en vois pas beaucoup. Et il y a une étude qui a prouvé qu'il y avait moins de femelles qu'il y avait moins de femelles que de mâles dans les cloportes. C'est d'ailleurs assez dommage. Donc voilà, vous les mettez dans votre petit terrarium. Voilà, vous les parsemez et vous voyez déjà qu'ils commencent un peu à s'animer. Ça commence à prendre vie. Et donc pour trouver des cloportes mis dans le terrarium, il vous suffit juste de soulever les petits bouts de bois et les petits morceaux de feuilles et vous les trouverez assez rapidement. Voilà, attendez, j'en mets un dernier qui est là. Voilà, ici. Et du coup, ils se déplacent, ils vont manger. Tout va bien. Alors pour l'alimentation, vous mettez de la verdure. Si ça moisit un peu, c'est pas grave. Ils adorent ça. Et vous pouvez mettre d'autres petits insectes que les cloportes. Ils vivent très bien ensemble. Il n'y a aucun problème. C'est juste que moi, je n'en mets pas d'autres. Par contre, si vous habitez dans les régions méditerranéennes, essayez d'éviter de mettre des scorpions, hein. Mais si vous capturez un scorpion, par contre, vous pouvez lui donner à manger des cloportes. C'est très bon pour tout ce qui est scorpion et tous les cloportes, hein. C'est vraiment la proie idéale, c'est petit, c'est pas rapide. C'est vraiment excellent pour tout ce qui est des bêtes comme ça. Donc voilà. Je vais couper la vidéo. Et on se retrouve dans la pièce d'élevage. À tout de suite. Donc voilà, alors il ne vous manque plus qu'à pulvériser. Voilà. Très légèrement, hein. Juste histoire que ce soit humide, car les cloportes, en fait, respirent avec des branchies. Et ils ne respirent que quand c'est humide, parce que ce sont des branchies et ils captent l'humidité, l'air qu'il y a dans l'humidité. Donc voilà. Alors attendez, je reviens tout de suite. Donc voilà, c'était Amphimaniacs pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce vert si c'est le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et que vous le voulez. Sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, comme d'habitude, bye!